Space. The finest. C'est Jessora, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être donc une vidéo d'analyse du trailer d'Origins, qu'on a pu voir sur pas mal de chaînes, même sur Code QG et tout. Et donc j'ai voulu faire une analyse. Alors aujourd'hui, donc je suis en compagnie de JustBug, donc mon co-leader. Salut à tous. Et on va tout de suite commencer. Donc j'ai préféré vous mettre d'abord une petite séquence. Enfin, en gros, le trailer va être passé en entier, mais entrecoupé. Enfin, j'ai divisé le trailer en plusieurs parties, et ça va être entrecoupé de d'images fixes, enfin de screenshots du trailer, et qu'on va pouvoir analyser tous les deux. Donc, avec cette première image, donc on voit sur une carte du nord de la France où on peut voir donc la Meuse et Verdun. Et d'ailleurs, en dessous de Verdun, il y a une petite croix avec marqué novembre 1870, alors que la map est censée se passer pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est un peu bizarre. Ensuite, donc on voit une photo à gauche de Maxis qui s'appelle finalement Ludwig. Alors d'ailleurs, Buck m'avait dit que avant il s'appelait comment déjà? Brock. Dans Black Ops 1 et World at War, c'était bien précisé que ça disait Dr. Brock Maxis. Et là, il Donc renomme. après ça, c'est un peu bizarre. Et donc on voit d'ailleurs, retenait bien sa tête avec sa barbe et ses oreilles décollées. Et derrière, donc, on voit également le symbole de son entreprise, le groupe 935. Et à droite, donc, le fameux assistant démoniaque, on va dire, le docteur Edward Richthofen, qui a l'air assez jeune, beau gosse et tout, avec la petite moustache. Et voilà, donc, sinon, pas d'autres grosses infos là-dessus. On va tout de suite passer à la deuxième image. C'est pas non plus... Enfin, je voulais juste la mettre pour bien montrer que c'était le groupe 935. Qui a donc entrepris les recherches pour l'élément 115. Ensuite, la troisième image. Donc on voit une petite machine un peu bizarre avec un tube. Et notamment donc à gauche de ce tube, qu'est-ce qu'on voit? On voit une lueur bleue. Donc je disais à Buck, je lui avais demandé à quoi ça pouvait ressembler selon lui. Et donc finalement donc je lui ai dit que pour moi c'était donc une arme sur un mur, donc par exemple, je sais pas, une arme B23R, il m'avait dit. B23R, donc c'est vrai que ça fait penser à ça quoi. Ouais, bah par exemple. Également donc pour la quatrième image, bah là je pense Buck, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Mais une simple météorite qui s'est crachée, hein. Lol. Ouais, voilà. Qui fait beaucoup penser aux yeux. Non, bah bien sûr, donc c'est l'élément 115 qui dégage pas mal d'électricité d'ailleurs. Alors, est-ce que l'élément 115, donc observez bien donc la couleur de l'élément. Et donc la couleur avec de l'électricité autour. Alors est-ce que c'est un rapport avec dans la vidéo avec Avox, on avait beaucoup parlé d'espèces de petites antennes qui dégageaient de l'électricité. Est-ce que l'élément 115 est la source de cette électricité? On pourrait se poser la question selon moi. On en saura plus à la sortie de la map. Donc pour l'instant, comme pour la vidéo avec Avox, donc ça ne reste que des suppositions. Également donc les théories sont, on les a trouvées nous-mêmes, on va dire. On n'a pas regardé d'autres vidéos. Enfin personnellement, c'est mon cas. Et s'il y a d'autres personnes qui reprennent nos théories, on n'en sera pas gêné non plus. Donc on va passer donc à l'image numéro 5. Alors également très intéressante. Pourquoi? Eh bien donc, putain, je répète pas mal de choses, mais dans la vidéo avec Avox, on avait également beaucoup parlé de ces espèces de piliers qu'on voyait au fond à droite d'un screenshot. Eh bien donc en fait, ces piliers sont donc le centre, voilà, le centre du camp de recherche établi par le groupe 935 pour découvrir l'élément 115, qui a donc finalement abouti, donc avec la dernière image, à détruire, enfin on voit un soldat qui détruit... une espèce de tombe, on va dire. Et finalement, donc, on voit finalement un zombie qui sort de ce gros trou et qui commence à bouffer tout le monde. Donc ça, on va donc vous laisser sur la cinématique et on vous retrouve pour les prochaines images ensuite.
Et donc de retour pour la nouvelle, enfin pour continuer l'analyse. Donc cette fois-ci, donc on voit l'image d'un zombie templier, enfin chevalier, mais en fait donc c'est un templier, il a une armure de templier qui vient donc d'arracher la tête d'un soldat. C'est sympathique également. Et donc détail important à noter, la couleur de ses yeux donc ressemble à plusieurs choses. Donc il y avait plusieurs théories. Donc la, voilà la tienne, celle de Buck. Bah vas-y, donne-la. Mais en regardant bien la météorite dans le trailer et en regardant les yeux du zombie chevalier, j'ai pu constater que ça ressemblait fortement aux mêmes couleurs. Donc je pense que c'est lié au L'élément 115. Voilà. Bah, de toute façon, on savait déjà que l'élément 115 contrôlait les zombies. Mais là, on dirait que c'est vraiment, enfin, l'élément lui-même et pas Maxis ou Samantha, Richthofen ou Samantha qui contrôle le zombie. Donc là, on dirait que c'est l'élément direct. Donc ça, c'est un peu bizarre déjà. Étant donné que les zombies ont commencé à attaquer avant même que Richthofen et Maxis en prennent contrôle. Sachant que après à la fin on voit Richthofen qui fait des analyses sur un mec, et on en parlera après, et qui a pas l'air de contrôler les zombies. Donc voilà. Et donc la couleur de ses yeux, ma théorie, ça ressemblait plutôt à la couleur encore des antennes dont j'avais parlé avec Avox, auxquelles on voyait au bout donc un peu d'électricité. Enfin j'en avais pas mal parlé. Donc je trouve que la couleur ressemble également fortement. Alors donc je sais pas encore si tout ça sera lié, l'élément 115, les antennes, les yeux des zombies, mais en tout cas bah c'est assez bizarre. Et donc pour l'autre image, donc cette fois c'est juste celle-là, c'était juste une image un peu pour le fun, il y a rien de spécial là-dessus, juste les zombies qui sont en mode comment ils s'appellent déjà, les kamakasi, non, les kamakasi, ouais, on va dire ça. Et donc on voit quand même que c'est des soldats allemands grâce à leur casque, tout simplement. D'ailleurs ils ressemblent fortement aux zombies qu'il y avait sur l'image d'Apocalypse également. Donc les soldats, ils font penser aux soldats de World at War, enfin personnellement ça me fait penser à ça. Et bah on vous laisse pour la cinématique et on se retrouve en donc la première image, donc c'est Tank Dempsey, le soldat américain avec sa grosse arme de bois, forcément, donc, sinon ça serait pas un mec américain. Alors je vous ai juste mis à chaque fois l'image avec le nom des quatre protagonistes de cette nouvelle aventure qui est Origins, et nouvelle, ancienne plutôt, et ensuite l'image, le moment le plus badass, on va dire, de sa présentation. Enfin, vous avez pu voir qu'on le voit, par exemple Dempsey, on le voit tout défoncer, et après on passe à un autre personnage. Donc je vous ai pris à chaque fois le moment le plus stylé de ce qu'il fait, en gros. Donc là on le voit juste avec une arme, mais je crois que oui, c'est, à mon avis, c'est l'arme spéciale d'Origins dont on avait déjà parlé avant, l'espèce de grosse sulfateuse qui avait pas l'air terrible, mais on pensait qu'il y aurait peut-être un lance-flamme. Alors là pour l'instant c'est pas encore révélé. Et il a donc son couteau de chasse de gros bourrin. Donc ensuite sur la deuxième image, on le voit, il a alors je sais pas trop si c'est un piton ou si c'est parce que ça ressemble également au Remington de l'armée sur Buried.
Mais je pense plutôt que c'est un python et donc il est en train de défoncer un zombie avec un coup de couteau et en même temps il explose la tête d'un autre zombie. Donc c'est quand même assez stylé. Et donc ensuite pour Nikolai Belinsky, donc le soldat russe avec son casque d'aviateur alors qu'il est en pleine guerre, ouais moi aussi je fais ça souvent, qui tient d'ailleurs dans la main un Mauser, donc également la nouvelle arme d'Origins. Et sur l'autre image, bon, certes un peu gore, désolé, il est tout simplement en train de couper en deux en zombie avec une hache. Alors ça également, je le fais tous les jours au petit déjeuner, donc voilà. Et d'ailleurs, Buck m'avait remarqué un truc un peu Là. marrant, vas-y. Ah ouais, donc j'ai remarqué en regardant le trailer que avant le découpage, on voyait bien le bout pré-découpé. Donc avant qu'il tape, on voyait déjà le zombie s'éclater en deux. Et quand ça touche, ça Ouais. s'achète déjà, c'est déjà pré-découpé. Ouais, ça c'était un peu marrant. Et donc pour le troisième personnage qui pour moi c'est le plus stylé, c'est Ouais. Takeo Masaki, avec son sabre, genre tout le monde se bat avec des armes à feu, bah non, lui s'en fout, il a un sabre de samouraï vu qu'il est japonais, tous les japonais utilisent des sabres de samouraï, c'est bien connu. Donc lui, donc il découpe tous les zombies avec une aisance déconcertante, on va dire. Et donc le moment le plus stylé, enfin c'est pas vraiment celui-là, celui que j'ai mis, mais c'est juste que la qualité de l'image était meilleure là-dessus. Le moment le plus stylé, c'est quand il reprend sa lame avec la tête qui sort, voilà, tout Justement, comme tu simplement. disais tout à l'heure, ce qui serait bien qu'il fait dans ce nouveau zombie, c'est qu'on puisse interagir comme ça avec les personnages, genre prendre un sabre, les Ouais. découper, comme ça. Ouais, bah justement, bah moi j'avais pensé, comme on peut déjà prendre le point taser ou le couteau de chasse, ce serait bien si par exemple avec Takeo on pouvait prendre un sabre japonais, et si par exemple avec comment il s'appelle, avec Nikolai on pouvait prendre une hache par exemple, ça serait cool. Ensuite donc l'image suivante c'est le docteur Edward Richtofen, qui a l'air un peu schizo, genre le mec qui vient juste de découper la tête d'un Le mec pour une crâne, ouais. expérience, et voilà, et juste après il se regarde en mode qu'est-ce que j'ai fait, genre le mec c'est Dexter quoi. D'ailleurs, Donc petite parenthèse, Justora m'a fait rappeler, enfin plutôt montrer que le mec allongé a une forte ressemblance avec Maxis. J'ai pas vraiment remarqué, mais avec sa barbe. on remarque ça un peu avec la barbe. Parce qu'on ne suit pas. Donc c'est pour ça que dès le début de la vidéo, je vous ai dit de retenir la tête de Maxis. Donc si vous voyez pas trop la ressemblance, retournez au début de la vidéo avec les photos. Et après quand vous revenez, vous regarderez la scène d'un œil neuf, on va dire. Et bien sûr, ne prenez pas en Donc compte le on voit crâne. franchement la grosse ressemblance. Voilà. Bah du coup, on pourrait penser qu'il est en train de faire des expériences sur son ancien chef, on va dire. Sachant que Richtofen c'était censé être son assistant. Et donc ça, ouais, c'est encore un truc assez Et bizarre. c'est aussi peut-être pour ça qu'il Donc fait une tête assez étrange, qu'il regarde ses mains. Genre, il ouais, se dit dans voilà. sa tête, bah, c'est sans Qu'est-ce que j'ai fait, Maxis. quoi. Ouais. Genre, un truc comme ça, Voilà, genre et bizarre. donc bah on va vous laisser pour la dernière cinématique tout simplement, et on vous retrouve pour les deux dernières images juste après. Salut! Donc de retour après cette cinématique, enfin de retour pas seulement, enfin en gros, on a 24 heures de décalage avec le commentaire juste avant là, étant donné donc que j'ai dû arrêter précocement donc j'aime pas si ça se dit, le commentaire, et que là donc je viens de retourner chez moi, donc j'ai fait 9 heures de trajet pour revenir chez moi, donc mes vacances sont finies, mes vacances au soleil on va dire, même si elles étaient plutôt cool, donc je suis content de rentrer. Je pourrais vous faire bah, plus de vidéos normalement. Et enfin franchement, donc on n'est pas là pour ça non plus. Donc on va tout de suite continuer pour l'analyse. Donc pour cette dernière image donc du trailer en lui-même, on voit donc Takeo à gauche, à droite c'est, enfin juste à droite Il y a c'est Nikolai avec Dempsey. son fusil à pompe là, enfin, l'infirmière. Voilà.
Et donc bah au sud, genre l'instant d'avant, ils étaient en train de viser des zombies en mode normal. Et juste après, le plafond il se déchire, et puis t'as un robot géant qui rentre là-dedans, alors on voit pas vraiment le rapport avec tout le C'est reste. normal, Donc hein. ça c'est franchement aussi étrange, genre le parallèle, enfin je veux dire le contraste entre bah, Origins, donc c'est censé être un truc genre un préquel, on dit. Donc on voit l'élément 115 avec des zombies en mode normal, et tout d'un coup on sait pas pourquoi il y a un robot futuriste qui arrive. C'est ça. Genre, alors on m'a dit, à ce qui paraît que attends, je sais plus quoi, enfin, on pouvait voyager dans l'espace et dans le temps avec, je crois, le téléporteur, je sais plus quoi. Donc on m'a dit, et dans le temps, donc l'hypothèse, ça serait que les robots viennent du futur et qu'ils ont été réimportés dans le passé, on va dire, donc retour vers le passé, on va dire. Et Voilà. donc ça, c'est plutôt étrange. Et bah finalement, donc on en saura plus à la sortie. Et donc la voix qu'on peut entendre dès le début et à la fin également, est-ce que c'est une voix off normale? Bah pas du tout en fait, c'est la voix de Samantha, donc la fille de Maxis, qui est censée être morte d'ailleurs. La voix est à peine, genre à peine flippante avec sa voix sifflante et tout. Ah, c'est ça. Et également bah un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, donc merci. Bah le bonus, ça sera donc le nom de la musique qui est durant tout le trailer, tout simplement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires sur d'autres vidéos qui disaient genre ouais c'est quoi la musique s'il vous plaît et tout. Et donc la musique, donc finalement c'est Shepherd of Fire du groupe donc Avenged Sevenfold. Donc c'était le groupe préféré de Diablo X9 avant, pour ça qu'il s'appelait A7X d'ailleurs. Et de l'album Hail of the King. Donc je la mettrai de toute façon dans la description pour ceux qui veulent la télécharger par exemple, enfin l'écouter. Et c'est vrai qu'elle est assez cool. Et donc en tout cas bah la dernière image c'est tout simplement le DLC Apocalypse qui sort, je le rappelle, le 27 août, donc dans 5 jours. Franchement donc on en parlait tout à l'heure avec Bug, donc Origins, pour moi c'est une map qui a l'air franchement énorme et qui pourra tout simplement détrôner je pense la map qui était pour l'instant considérée comme la meilleure par la plupart des joueurs zombies, à savoir donc Moon. Franchement donc cette map elle est assez énorme. Après peut-être qu'elle va pas plaire non plus aux puristes parce qu'il y a pas mal d'éléments et d'un peu étranges on va dire. Franchement des robots géants on n'a jamais vu ça, mais bon comme l'a rappelé je sais plus quel abonné, enfin on n'avait jamais vu avant des bus dans transit. Des propulseurs dans Dying Rise, une machine qui paralyse des zombies ou des sorcières sur Buried. Enfin, de toute façon, ils font des grosses innovations à tous les points de vue. Et je pense que les robots, ça pourrait peut-être apporter une nouvelle expérience de jeu et renouveler un peu ce Call of, bien que bah, la next-gen va également renouveler bah, la licence Call of Duty. Enfin, après ça, c'est un autre débat. Et donc, bah, je vais quand même laisser parler, enfin, laisser parler Ouais, Buck, qui mais a peut-être qu'il y a des moi choses à aussi j'ai dire. ton avis. Pour moi, cette map peut largement détrôner Moon, sans vouloir décevoir quelques youtubeurs hein, qui sont spécialisés dans zombies. Mais c'est vrai qu'elle a l'air vraiment passionnante. Il me tarde vraiment qu'elle sorte parce que vraiment, ça a l'air bien. Ouais, c'est sûr. C'est tellement, le trailer est C'est tellement bien énorme que ça te quoi. donne envie de la tester directement, tu vois, en avant-première. C'est pour ça que un peu le seum les joueurs PS3 et PC, désolé, Oui, vraiment désolé encore pour un mois vous. d'avance. Mais bon, bah en tout cas nous les joueurs Xbox, on est contents et puis on espère également que cette vidéo vous aura plu. On vous remercie également donc de l'avoir remercié jusqu'à la fin, n'importe quoi, de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et donc je vais laisser le mot de la fin à Buck et puis moi je vous dis à la prochaine. C'était Just Et c'était Just Buck. À plus. Sora.